chargement. C'était pas. Main est un peu fermée et dès que je vais ouvrir et je fais comme ça en avant, il me faut un compte correct. Pas seulement sur place, celui qui donne l'impulsion doit aider le partenaire qui fait le compte. Donc pas ça. Il faut quand même donner un petit mouvement vers l'avant. Donc on bouge. Voilà. Ceci. Et il faut essayer d'anticiper le mouvement. On essaye d'anticiper le compte. Lui fait ça, toi tu fais ça. Non! C'est trop tard! Non! Trop tard! Non! Ah, trop tard. Allez, Gillian. J'attends pas qu'il bouge. Trop tard. On commence. Trop tard. Là, bam. Comme ça, même si ça bouge un tout petit peu, tu l'as toujours. Hein, si tu vises trop vers le centre, dès qu'il bouge un peu, hop, je passe à côté. Il faut que tu gardes le coude serré et tu lances le poing en avant. Bam. Que même si tu es trop court, tu arrives à toucher comme ça. Si tu es trop loin, hop, tu te penches un peu, tu arrives encore à la voir. Ça, c'est mieux, ça. Attention. Voilà.
Une bonne vitesse. En compète, des fois, ça marche pas encore. Mais pour que ça marche en compète, il faut travailler vos détails. L'arbitre ici, l'arbitre là. C'est peut-être toi qui n'as pas bien fait le mouvement. Hein? C'est peut-être toi qui n'as pas aidé l'arbitre à te donner le point. Parce qu'il faut l'aider, l'arbitre. Il ne voit pas tout. Il faut lui montrer, être propre. Pas montrer, voilà, t'as vu, là, j'ai fait une belle extension et je ressors. Si tu rentres juste pour rentrer, ça va pas le faire. Donc, exemple, on se fait Gyaku Mawashi, 1, 2, et je ressors. Gyaku Mawashi, posé, bam, oura, c'est bon aussi. Gyaku Mawashi, changer de jambe, bam, bam, Tsuki. Gyaku Mawashi, balayage, bam, j'enchaîne. Tout est possible du moment que c'est bien fait et que ça va vite.